16e tournoi international Benjamin. Un dirigeant de Brumetaz est demandé à la table de marque, s'il vous plaît. Un dirigeant de Brumetaz. Donc je rappelle, un dirigeant de Brumetaz est demandé à la table de marque. Allez, 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 allez
Ouverture du score sur le terrain numéro 2 de Côte-Chaude. Thank you.
deuxième rencontre pour les quarts de finale. Aigbel contre Libouré sur le terrain numéro 1. Et sur le terrain numéro 2, Verpillière contre Aix-les-Bains. Sur le terrain numéro 2 qui voit la qualification de Cochon pour les demi-finales. Fin de la rencontre sur le terrain numéro 1 avec un score de 0 partout. Donc on va assister au tir au but. 3 tirs au but par équipe. Thomas. Du côté de Verpillière et d'Aigbel, de Aix, on a le temps, hein. On attend que le match à côté soit terminé.
Allez, donc on rappelle là, 3 pénalties chacun, article 15, dixit Alain. Allez, donc premier tir au but de la tour. Et égalisation de Villefranche. Le deuxième joueur de la tour qui se présente. Allez, on me dit ça. Tu choisis un copie, tu vas. Applique, applique. Le capitaine de Villefranche. Applique, Mathis, applique. Applique. Égalisation de Villefranche. Qui voit donc la victoire de la tour qui se qualifie pour les demi-finales.